Si la vaccination a permis de ralentir la pandémie, cette dernière toujours belle et bien présente. Alors que l'Allemagne et l'Autriche vont réintroduire des restrictions à l'approche des fêtes de fin d'année et que les Autrichiens non vaccinés seront confinés une nouvelle fois à partir de lundi prochain, le débat sur la question de savoir si les vaccins suffisent à combattre le Covid-19 est à nouveau ouvert. Assurant que la France ne sera pas confinée dans les prochaines semaines, CIST dans un entretien accordé à La Voix du Nord qu'Emmanuel Macron a expliqué, les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. Alors que de nombreux Français ne souhaitent pas se faire vacciner contre le Covid-19, le président de la République en a profité pour demander de l'aide à ses compatriotes. Je pense qu'on doit tous se faire les ambassadeurs de la vaccination. Je le vois, la parole publique a ses limites. Aidez-moi à convaincre ceux qui sont réticents, qui se sont enfermés dans une défiance solitaire, a-t-il déclaré. Interrogé sur la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans, Emmanuel Macron a expliqué, sur la troisième dose, j'attends l'avis des autorités sanitaires. Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif. S'il s'avère qu'une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l'intégrera dans la logique du pass. Emmanuel Macron, il nous faudra vivre avec le virus. Mardi 9 novembre 2021, le président de la République s'était déjà adressé aux Français lors d'une allocution diffusée dans le journal de 20h. Alors, il avait expliqué, CIST grâce à la vaccination, au pass sanitaire et aux gestes barrières que nous pourrons continuer de vivre, ne pas restreindre d'autres libertés et ne pas refermer d'activités. Il nous faudra vivre avec le virus et ses variants jusqu'à ce que la population mondiale dans son ensemble soit immunisée. Enfin, Emmanuel Macron avait assuré que nous n'avons pas terminé par ce cas court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la cinquième vague a commencé en Europe. Loading DJ.